Dynasty Stories n'ont pas demandé autant de temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait des contraintes de poids sur la console, des contraintes graphiques. Donc c'est les jeux, bon bah c'était... Oh, je vais tenter la frappe. Bon, elle était dégueulasse, mais j'ai voulu tenter une frappe un peu enveloppée. C'était dégueulasse, il va falloir que je progresse un peu là-dessus. Donc voilà. Après, bon, c'est la vie de chacun, machin chouette, on s'en fout. Après, c'est juste une démo technique. Je pense que ce serait plutôt une démo technique. Ils vont pousser les graphismes de GTA 5 au maximum, un peu comme sur PC, comme vous pouvez le faire, pour savoir ce que pourrait donner le prochain GTA. Je pense que c'est surtout pour une sorte de démo technique. Hein. Ils veulent savoir ce que ça donne. Gagner un peu d'argent, évidemment. Vous savez, on est dans un monde où plus vous gagnez de sous pour votre jeu ou pour quoi que ce soit, plus vous êtes contente et content. Hein. Je sais pas, c'est logique. Hein. Faut arrêter de piailler là-dessus. Vous faites une entreprise ou quelque chose, vous voulez gagner des sous, vous le faites pas pour rien. Bref. Après, il y a eu des jeux comme Ratchet & Clank, enfin, Ratchet, avec un gameplay assez intéressant. Enfin, ils ont pas vraiment montré de gameplay tout ça, mais de très belles images. Enfin, si, un petit bout de gameplay, si, quand même, il y a un petit bout de gameplay, quand même. Enfin... On va dire scénarisé quoi, c'était de la cinématique, il n'y avait pas la TH ou des trucs comme ça. Je pense que c'était une démo technique, le jeu est pas terminé évidemment, donc c'est normal. Mais franchement, l'idée de traverser plusieurs mondes différents, tout ça instantanément, ça justement c'est les capacités des nouvelles consoles qui peuvent le faire. Et c'est un jeu, je le rappelle, normalement, hein, que je dise pas de conneries, Ratchet, c'est exclusif à la PlayStation, il me semble, hein, normalement, hein, ça l'est toujours. Si je dis une connerie, n'hésitez pas à me le dire gentiment, évidemment. Qu'est-ce qu'on a eu après? Plein de jeux assez intéressants. Je sais plus trop les noms. Il y a eu des trucs très, très sympas. Bon, bien sûr, beaucoup de bousins. Enfin, je dis bousins, mais je veux dire... c'est des jeux qui m'intéressent pas trop. Les jeux d'horreur, c'est pas mon truc. Alors, m'en voulez pas. Je dis bousins, mais j'en pense pas moins. C'est des jeux très intéressants, certainement. Mais, voilà. C'est pas trop ma cam. C'est pas trop mon truc. Non, non, mais après, bon, bah, écoutez. C'était quand même assez sympa. Il y a eu pas mal de jeux intéressants. Maintenant, bon, bah, après, voilà. C'était une petite conférence comme ça. Hein. Moi, comme je dis, c'est surtout les jeux qui vont montrer ce que donne la console et tout ça. Comme d'habitude. Ah oui, pardon, ça me revient. Il y a eu Horizon 2. Oh, merci pour la belle passe. Allez, si je passe, c'est bon. C'est bon. Allez! Putain, j'ai voulu revenir sur mon pied droit. Le tacle, le penalty concédé par Dijon. Le défenseur, je crois que c'est Simakan. Et c'est le rouge. C'est le rouge. Et non, c'est Ekwele Manga, pardon. Ekwele Manga, c'est le rouge. Ah là là, le tacle, oui, je suis revenu sur mon pied droit. Et je suis tombé comme une merde. Ounas remplacé par Kopic, pardon. Non, incroyable, à la 79e minute, ce penalty. Alors j'espère quoi. Non, voilà, on me le donne pas, et heureusement, parce que je suis très nul, j'aime pas le système penalty, c'est à côté. Oh bah oui, le coach Patrick Vieira s'en veut. Enfin, est très frustré. Qu'est-ce que c'est que ce penalty dégueulasse? Ouais, puis. Ils ont fait n'importe quoi là. Oh là là. Oh, l'occasion de conclure le match. Ah là, 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 on est... Ouais, mauvaise idée, attention, espérons que ce soit pas de lourdes conséquences, parce que ça serait quand même con, on a dominé la majorité du match. Donc voilà, revenons à nos moutons, oui, Horizon 2, alors j'ai pas joué au premier, j'aimerais bien le faire un de ces quatre. Oh belle, non, l'a passé, ah non, il l'a eu quand même, merde, j'ai pas suivi, je suis désolé, j'arrive, je me pousse, vas-y, tire. Et le 2-0, le voilà, le but de la victoire. Le but de la victoire, on se rattrape sur cette occasion où j'étais un peu en retard. Voilà. Et la solution au milieu, hop là. Bien joué. Et bah c'est comment, Fabrice comment. Non, attends, c'est Fabrice ou. Florinel. Florinel comment, pardon, oui. Florinel qui marque. Le 2-0, ouais, bah là, il peut être rassuré, c'est sûr. Ah bah, c'est lui qui avait loupé le pénalty, et bah, il s'est rattrapé. Je dis pas de conneries, hein. Parce que bon, on va dire les faces dans FIFA, bon, il y en a, ça va, mais d'autres, c'est compliqué. Donc voilà, bah écoutez, après, ouais, Horizon 2 a l'air très sympa, il y a d'autres jeux sympas aussi.
Voilà, bon, c'était la conf Sony. Après, alors, je crois qu'on a... Il y en avait une, c'était celle de Guérilla, mais j'ai pas trop compris. Ça s'est fait en deux fois. Il y en avait une avant-hier et une hier. J'ai pas trop capté. Ça a sorti pas mal de jeux. Bon, j'ai pas trop fait attention. Je vous avoue. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a bah, la conf PC. Enfin, moi, j'aurais appelé ça la conf de l'ennui. Pourquoi alors? Pas méchamment. Je dis de l'ennui parce qu'il y a eu énormément de jeux... 50 jeux à peu près. Il y a eu des jeux très intéressants, ça il faut le dire. Mais d'autres, on n'a pas compris. Surtout un. C'est un remaster d'un jeu de 1999. Et victoire 2-0 hein, pendant ce temps-là. La belle victoire 2-0. Un jeu. Enfin, un jeu au graphisme de 99 qui existait bien avant. Alors je sais plus trop le titre, hein, vous retrouverez peut-être. J'ai pas compris. On s'attendait à quelque chose. Alors au départ, c'était les graphismes carrément de Nintendo 64 et tout. Et on n'a jamais compris, le truc a continué, continué. Tout le monde attendait hein, que ça sorte des images plus récentes. Et non. Ça a fini avec le titre du jeu. Et puis salut, c'est passé un autre trailer. Ah. Ah. Ah bon. Bon, après, il y a eu énormément de jeux indépendants. Alors ça, bon. C'est pas que je suis pas fan. C'est pas bon après voilà il faut aimer voilà il faut aimer c'est des petits jeux sympas les jeux indépendants c'est quand même des jeux intéressants hein. Il faudrait que j'essaye un de ces jours certains de ces jeux beaucoup de jeux comme ça hein. D'autres après bah, des jeux de stratégie je crois il y a eu une sorte de Total War je crois que si je dis pas une bêtise très poussé apparemment qui devrait être le concurrent de Civilization 6. Alors bon, je vais pas non plus rentrer dans le domaine parce que j'y connais pas grand-chose à Civilization, le jeu. Même si Epic l'a donné gratuitement, que je l'ai pris, comme ça au moins quand j'aurai la fibre et que je pourrai l'installer, on essaiera, ça peut être intéressant. Ah, j'ai eu un A dans l'exercice 3. Bah c'est bien, excellent. C'est bien, c'est bien. Bon, alors ça nous met 9e hein, cette victoire. Ouais, le début de saison est assez compliqué apparemment. Allez, on file vers le. Bah, vers le derby. Voilà, j'ai pas été retenu pour le derby. Logique. Donc voilà, donc la conf PC a été très longue, beaucoup de jeux, tout ça. Un partout. Bon. Après, il y a eu celle du Future Game. Et là, j'ai été un petit peu stupéfait. Alors oui, pour la conf PC, je sais pas si vous avez vu sur Twitter le. Tweet du JDG qui nous a sorti la conf PC 2004. Bah, il y avait des jeux, c'est pas faux. Bon, après, ça tirait un peu sur l'ambulance. Il y avait des jeux intéressants quand même. Pas retenu non plus contre Lille. Très bien. Donc, bon, voilà, ça c'était pour l'anecdote parce que tout le monde avait rigolé à ce tweet à peu près. De partout. Bon, on a du mal à gagner. Et du coup, bon, bah, je reviens au Future Game Show qui était donc l'espèce de. Conf, nouvelle conf. Enfin, je sais pas si on avait déjà eu avant, mais moi j'ai pas fait gaffe. J'ai trouvé ça un peu étrange. Je me suis toujours demandé, comme beaucoup de gens dans les différents chats, c'était où le futur? Parce que il y avait pas mal de jeux intéressants. Bon, à un moment donné, il y a eu un trailer d'un jeu qui était carrément en graphisme pré-alpha et à la fin, ils sortent. La bêta sort le 15 juin. Ah. Ouais. ah oui, le jeu, pour vous dire, c'était une sorte de copie de Dark Souls en sans musique, sans bruit, sans rien. Et c'est censé sortir en bêta le 15 juin. Alors je sais pas si vraiment le trailer, enfin le trailer gameplay, tout ça, c'était un gameplay hein, carrément. Alors ça, c'est nouveaux objectifs. Marquer un but. Oui, ça va pas être facile. Surtout si je suis pas retenu. Du coup, oui, une sorte de Dark Souls. Enfin, Dark Souls, là, une copie. Très, très bizarre. Bon, bref. M'aurais compris, hein, peut-être. Et en fait, ben, il n'y a pas eu le moindre truc futur. À part une espèce de. Alors, je crois que ça, c'était dans la conf PC, l'histoire du. Une config Total War pour un ordinateur custom et tout. C'était. Très bizarre, mais original, pourquoi pas, on fait bien ça avec les voitures. Ah, enfin on gagne 2-1 grâce à Florinel Comment qui joue beaucoup hein, avec Casper Dolberg. Bon, bref, bah tant mieux la victoire. Et du coup, je disais quoi, moi? Oui, bah, je te sens pas une belle config, hein, mais bon, ça c'est pas non plus le truc que je préfère, je m'en fous. Un petit peu tant que la performance est là, c'est le minimal. Mais.
il n'y a pas eu une seule fois de cette conférence quelque chose de futuriste. Je sais pas, dans le nom, tu mets Future Game Show. Normalement, vous êtes d'accord avec moi, normalement, il y aurait dû avoir des jeux VR, un nouveau truc révolutionnaire qui nous aurait fait comme ça. Oh! Ben, pas une fois, hein. Je crois que la conf PC et Future Game Show, j'avais pas autant bâillé depuis un moment. J'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Bon, après, peut-être que je suis passé à côté, que j'ai mal compris le sens de cette conférence. Je peux comprendre. Alors, on perd 2-1 quand même à 11 contre 10 avec deux blessés, Sigali et Wag. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ça, bon, ça, il fallait s'y attendre, hein, de perdre contre le Paris Saint-Germain. C'est pas non plus illogique. Ah, ouais, quand même. Un jour et 3 jours. Bon, ça va, c'est rien. Donc voilà, c'était un peu le résumé rapide des conférences. Bon, je crois qu'elles sont peut-être pas toutes terminées. Je crois qu'il y a eu celle d'Xbox. Je suis pas sûr, j'ai peut-être loupé celle-là. Ah, on passe à 68 de général. Ça y est, on a gagné un plus 1. Donc 68. Nos petites stats augmentent plutôt bien dans les différents exercices. Bah, c'est très bien, excellent, excellent. Continuons comme ça. 9e place, bon on est loin quand même des positions pour l'Europe. Hein. Attention, il va falloir se réveiller un petit peu dans les prochains matchs. Hein. Est-ce que nous allons jouer contre Strasbourg? Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait un match. Ah, voilà, on est retenu donc associé à Florinel Coman, enfin, qui va être placé sur les côtés, je suppose. Mario Extérieur, nous allons donc jouer à la Méno face à. Face à Strasbourg, le jeu n'a pas la licence, évidemment. C'est dommage. Ouais, voilà. Florinel joue à gauche et Ounas à droite. Il n'a pas changé sa compo. Bon, bah, c'est pas grave. Écoutez, c'est comme ça. Donc, ben, voilà, c'est un peu le résumé que je fais, on va dire, de ces conférences. Bon, oui, comme je disais, j'ai loupé celle d'Xbox. Je crois que normalement, il doit y avoir un truc de Nintendo. Hein, je suis pas sûr, normalement. Hein. Bon, eux, c'est toujours les Nintendo Direct hein, depuis déjà un moment. C'est assez rigolo hein, comme truc. Ouais. C'est un peu bizarre. Pas mal, on va peut-être réussir un exercice. J'ai rien dit. Les différentes, hop, combinaisons possibles. Voilà, c'est totalement loupé. Bon, bah c'est bien. Allez, on avance, on va lancer le match. Deuxième match donc de la session. Après avoir joué celui de Dijon début septembre, on va jouer donc à la Méno. On va. Parce que bon, bah c'est pas le bon nom, hein, ils mettent stade municipal, mais donc c'est la Méno donc. Face à Strasbourg, attention, ça va pas être un match facile. On n'est pas non plus très bien placé au classement. Suivant les objectifs évidemment hein, du club, c'est de jouer l'Europe, donc on n'est pas bien placé. Justement pour jouer l'Europe. Donc bah sinon ouais les conférences bah c'est à peu près tout pour l'instant. Bon, y a pas une. Je pense que finalement beaucoup se disent qu'il n'y a plus vraiment d'utilité de faire le 3 en grande pompe à Los Angeles et tout ça. Bah je commence à être d'accord hein, sincèrement avec ce qu'on nous a présenté. On nous aurait fait ça en conférence comme d'habitude à des heures pas possibles et tout ça. Sincèrement, moi, mais j'aurais dormi devant le stream. Alors désolé, je vais devoir déloger la mouche. Voilà, pour recadrer la cam, mais elle a pas bougé. Excellent. Elle n'a pas bougé, elle a pas eu peur. Attendez, vous avez entendu comme moi ou... Les joueurs ont parlé. Incroyable. Alors ça, j'avais jamais fait attention dans ce FIFA 20. Les joueurs parlent, vous avez entendu les... Bon courage. Salut. Machin. Salut, bon courage. C'était un peu... Bon. Bah putain, alors là, j'avais pas fait gaffe. 4-2-3, attention pour Strasbourg. Ah, je suis surpris là. Yé qui a ajouté ça dans le jeu. Ah, j'avais pas fait gaffe. L'histoire de... Ah, de ça, je... Ah non, j'étais pas... Ah non, j'avais pas fait gaffe, pardon. Ah bah c'est parti, allez, pour ce match Strasbourg contre Nice. Avec une surprise incroyable, j'avais pas fait gaffe. Incroyable, les joueurs qui ont parlé, ils ont ajouté ça. Bon, c'est un petit peu archaïque, j'ai l'impression, hein, parce que la personne qui faisait les voix, enfin, qui a fait la voix, n'était pas très motivée ce jour-là. Je peux comprendre.
Ouais.